vois, je suis même pas énervé. C'est mon cadeau anniversaire. C'est vrai, hein? C'est mon cadeau anniversaire. Par maman et par beau papa. Tu veux 50 balles. Machin, il valait 80 balles. C'est Michel qui a mis 30 balles. Mais c'est léger, tu peux le porter, parce que moi je suis défoncé de partout, et puis rien que marcher, rien que tirer des charrettes de 10 tonnes, je peux plus. Moi je vais être tranquille, j'étais tranquille. Bon, on ne peut pas atteindre la lumière. Ouais, faut être costaud. Je commence un peu bleu, je l'avoue. Je n'en ai rien à foutre. Si je pouvais éviter ce monde de mensonges et de corruption, bah putain, ça j'ai évité. Morse de Mongol, et tu parles aux gens et tout. Il y avait des gens super ce soir. Vraiment. Robert et Nani, ou Robert et Mani, ou je sais pas quoi. C'est prof de maths, c'était costaud, tu vois. Le problème, c'est qu'ils sont pas ouverts d'esprit, si tu veux. Quand tu leur dis des trucs, bon, c'est normal. Quand je parle, il faut un décodeur. Si je l'ai pas, faut le demander. Souvent, je dis des conneries. Simple connerie, bonne réponse. Mais c'est pas des conneries. On n'est pas en mode Gibert, mais presque. Mais quand même. Le premier qui dit la vérité, il doit être glorifié. Mais je parle au nom du bon Dieu. Tu n'as qu'à dire Christ, tu n'as qu'à dire Mohamed, tu n'as qu'à dire qui tu veux. Qu'est-ce que je m'en branle? Mais qu'est-ce que vous êtes fermé d'esprit? C'est incroyable. Mais j'ai rien demandé. Hein. Il est où le bordel? Synchroniser le poète. Poète. Ultra poète. Très compliqué, putain. Une révélation tout le temps. C'est un truc de fou. Mais si tu le dis, ça dépend à qui tu le dis, tu vois. Quatrième message, piqûre.